Tout le monde, c'est Toto de la PS1 pour encore un nouveau test. Et oui, je sais, j'en fais plein. Et je vais vous tester un jeu d'un des héros de la PlayStation les plus connus. Et oui, après avoir testé quelques jeux Crash Bandicoot, il m'en reste encore deux des jeux Crash Bandicoot, puisque j'ai les 5 sur PS1, les 5 seuls jeux sur PS1 de Crash Bandicoot. Et il m'en reste encore deux à tester, le 2 et le 3, je le laisse. Et je vais tester Spyro. J'ai le 1 et le 2. Je vais tester d'abord le 1. Oui, je ne vais pas faire un test à Rayman où j'avais commencé par le 2 avant de faire le 1. J'avais déjà testé une fois ce jeu, mais j'avais pas réussi à le... J'ai pas réussi à le garder. Je sais pas pourquoi, je crois que je l'avais effacé par accident. Le test. Bon, ben, c'est pas grave. On va commencer. Alors, on va commencer. Bon, on va commencer. Alors, Spyro, c'est un très grand héros de jeux vidéo. Alors, il n'y a pas longtemps, j'avais le tout premier jeu de la dernière Légion Spyro. The Legend of Spyro. Il me semble. Action!
tout a été si paisible dans les cinq membres depuis une éternité, ou est-ce si ça... Nous possédons 12 000 joyaux. Ou est-ce 14 000? Et à propos de ce Gnastigenor, je sais qu'il a découvert une formule magique pour transformer les pierres précieuses en guerriers. Laisse-moi te répondre. Gnastignok est une simple créature. Simple ? Il est tenu à l'écart dans un autre monde, et il n'est plus un danger pour le royaume des dragons. Plus de danger ? Et en plus, il est laid. Laid ? C'en est trop ! On dirait que j'ai du travail. Vous voyez, pour ceux qui n'ont pas vu, le tout premier jeu Spyro sur PlayStation 1. Et je prononce ça Spyro et non pas Spyro. En hommage à un pote à moi à qui j'ai fait un test avec lui. Son seul test actuel d'ailleurs. Auron. Alors bon, il faut libérer les dragons. Merci de m'avoir délivré, Spyro. Certains dragons donnent un conseil comme lui. Dragon dans le monde des artisans, puis retrouve l'aéronaute. Il t'emmènera dans le monde suivant. Et Gnastignork, c'est lui que je recherche. Retrouve les dragons, c'est tout ce que je peux te dire. Ok, bon, il en faut 10. Alors, si vous vous mettez dessus, il y a la fée qui vient pour vous dire que vous pouvez sauvegarder comme ça. Alors, je vais pas vous faire un... Je dois vous gagner un niveau pour accéder au premier boss. On va voir si je peux pas y arriver. En premier boss, justement. Alors, les dragons, je veux pas tous les sauver. Je vais pas arriver au deuxième monde. Je vais faire tout simplement le premier niveau. Je vais me casser le plus vite possible. Et ensuite, je vous fais le premier boss. Les boss sont tout simplement faciles dans ce jeu-là. Enfin, quoique. C'est Gnastignork le seul qui est vraiment difficile. Alors, les flammes, c'est cercle. Foncé, c'est ça. Brûler, c'est ça. Reste, c'est X. Foncé, c'est carré, je voulais dire. Alors, plus vous foncez dans les petites bêtes, plus ça vous donne. Je sais, je suis méchant. J'ai pas envie de les délivrer. Ouais, et puis mince, hein, après tout. Bon, je suis gentil finalement. Je dis juste que je suis méchant, mais je peux être gentil aussi. Mais bon, d'habitude, je prononce à Spyro, je prononce Spyro. Lorsque tu libères un des dragons ou que tu te poses. On s'en fout. Gredin. Dans ces bouts de pécor qui nous avaient appris cette expression-là il y a quelques jours à moi et à vous galer. C'est de se barrer le plus vite possible pour éviter de perdre trop de temps et on s'en fout. Toi, on va essayer de contourner le dragon. Sadisme pur. Bon, ça fait 4 minutes. La dernière fois que j'avais fait un test, j'avais voulu sauver plus de dragons. Voilà, j'avais fait déjà 10 minutes. Ah, le sadisme de la PS1. Je suis quelqu'un de très sadique. Je montre rarement dans mes tests, mais je suis quelqu'un de très très sadique. Quoique, vu tous les crèves que j'ai dû dire en total dans ma carrière, enfin, vous avez rien vu à mon sadisme naturel en dragon. Quoi ? Normalement, il faut gagner un niveau, c'est bien ce que j'ai compris. Enfin, bon, vous n'avez pas compris, mais moi, j'ai déjà joué plein de fois. Recommence ! Tu trouves ? Comme le sucre-lit, j'oublie tout le dire en initial TG. Bon, alors voilà. Croustillant, le tout premier boss. Alors, chaque fois qu'on va dans un boss, ça met lutte contre machin. Alors, les boss sont pas très difficiles, hein, vraiment très faciles. Il y a juste l'insigneur qui est vraiment difficile. Petit exemple, c'est le nombre d'ennemis qui est assez chaud. Les chiens sont les premiers ennemis qui vous font chien max. Au moins, j'ai pas été très poli. Pour faire des excréments. Mais c'est pas vrai, purée. Oh là là. Oh purée, ils vont m'entendre. Oh là là. Ils me font suer. Ils me font postillonner. Oh my god. Si vous m'entendez un jour dire oh my god en prononçant le O de God,
en A, ça veut dire que je suis assez énervé. Ou que je fais exprès de faire mon sadique. Mais ça veut dire qu'ils vont pas plus m'énerver. Tiens, dans ta face. Commencez par les chiens qui sont les plus. Pas de libellule, je m'en fous moi de lui. Ah voilà le boss. Oui, vous allez voir ce que ce sera à la fin. Si vous le trouvez ridicule là, vous n'avez pas vu ce que c'est en vrai. Vous allez être surpris, je pense. Surpris. Ah, dans vos fesses. Déjà ? J'ai déjà fini. Ah non ! Un mouton sur des escabeaux ! Ouh là là ! Ouh là là ! Oh ! Ouh là ! Oh my god ! Il a survécu ! À mon style unique, ma grâce légendaire. Purée, mais ils ont même pas marre de rouler. Oh purée! Oh purée, ça m'énerve ces histoires-là. Quoi? Mais je vais. Qui... Mais c'est pas vrai! Mon dernier. Vous avez vu que c'était un mouton? On l'a même entendu là, j'avais pas entendu tout à l'heure, j'avais jamais entendu d'ailleurs, mais il fait le mouton. Ou alors toi hein. Mais c'est pas. Ah bah quand même. Le mouton sur l'escabeau, c'est enfin a enfin trouvé son maître. Oh my god, j'ai gagné. La suite. Au prochain numéro!